Voilà celui qui nous a promis, effectivement, en début d'émission, une chanson contre Yvan Colonna. Est-ce que vous voulez bien, s'il vous plaît, Frédéric Fromet, ne pas honorer cette promesse? Mais oui, j'ai changé de sujet, finalement. Ah, oui. Alors, quand même, l'Ukraine. Alors, la ville de Mariupol, selon mes sources, hein, fait beaucoup rire Vladimir Poutine, parce que ça lui rappelle une chanteuse française, la fameuse... Mariupol Belle. Je m'en doutais. Je le connais par cœur, c'est mon Fred Frou. Je ne suis pas pour l'Ukraine, j'ai la haine, je suis pas pour Zelensky. Il est trop gay et nazi, opération militaire, pas la guerre, pas la guerre. Je purifie Mariupol, des marioles, et je lance l'offensive sur Kharkiv, et je lance des missiles au hasard sur Tchernobyl. Bien au chaud dans ma dacha, je bombarde Odessa, je marche à Narbonne, Kiev, je sens qu'on m'en fait grief, m'en fait grief. Lorsque mon armée convoite à la capitale, j'escomptais que l'assaut fût rapide et fatal. Mais cette clique d'Ukrainiens semble avoir plus d'avenir que Valérie Pécresse. Ils me résistent très fort et ça me blesse. Je suis pas pour les rebelles, pour les brêles, à ma table c'est moi le maître, je reçois à plus de 20 mètres. Je suis pour la Sibérie, pour y congeler l'ennemi, je suis pour l'empoisonnement de n'importe quel opposant. À quoi bon les droits de l'homme quand on a le polonium? L'adversaire, je m'en moque, à renfort de Novichok. J'aime bien Mireille Mathieu, mais elle a pris un coup de vieux quand elle chante les mille colombes pour que la paix soit sur le monde. Ah 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 ah. Très vite, je fis connaissance de Jean-Pierre Perverti, des Occidentaux perdus, soudain réunis. Comme je n'abdiquais pas, je poursuivais le combat sans même craindre Jean Castex. Je crois qu'ils en sont restés tout perplexes. Je ne suis pas pour l'OTAN, pour autant, j'aime la famille Muliez qui agit au nom du PES. Avec c'est le roi Merlin qui ne boude pas le Kremlin, avec également Auchan qui privilégie l'argent. J'aime beaucoup Décathlon qui ne pense qu'au pognon. J'aime beaucoup Pernod Ricard car assoiffé de milliards. Vive les boîtes sans vergogne, Yves Rocher et Danone. Vive les entreprises françaises qui prospèrent tranquille à l'aise. Je ne suis pas pour l'Ukraine, j'ai la haine, j'ai la haine. J'aime bien qu'on marche droit comme le peuple chinois. J'aime bien la Tchétchénie, aussi la Biélorussie, depuis qu'elles sont à ma botte, que leurs guides sont mes potes. On dit que j'ai pas toute ma tête, que je fais tourner les soviets, que j'ai pété une durite à la mode moscovite. Mais que dire de cette chansonnette et de son auteur Panette, qui de Mariupol a fait le lien avec Mariupol Belle. Mariupol Belle, Mariupol Belle. Bravo. Merci. Frédéric Fromet, merci. Merci beaucoup. Dites donc, vous vous êtes pas facilité la tâche, dites donc, j'ai l'impression. Non, ouais, et puis ouais, voilà. C'est pas facile à jouer quand même. Non, c'est pas facile, mais c'était toujours mieux que de m'en prendre à Yvan Colonna. Oui, ça, je vous le confirme. Merci Frédéric Fromet. Gardez cette idée pour dans 50 ans.